On retrouve aujourd'hui un nouveau binôme tuteur alternant du CNAM, le Conservatoire National des Arts et Métiers à Saint-Étienne. Alors d'après vous, quelles sont les clés de la réussite du binôme tuteur alternant au sein de l'entreprise et de la formation ? Pour une société commerciale comme nous, ce qui est intéressant, c'est d'avoir quelqu'un qui peut suivre ses dossiers au quotidien, comme elle est là 3 jours par semaine, et d'avoir un suivi, donc de pouvoir avoir une relation dans le temps avec nos clients et de poursuivre ça dans le temps. Donc je suis assez d'accord avec Fabien, c'est vrai que c'est très intéressant de pouvoir appliquer ce que je vois en cours en entreprise. Et aussi, on a une très bonne relation de confiance au niveau, il me délègue ses clients, donc c'est intéressant. On retrouve maintenant 2 alternants du CNAM qui nous expliquent comment bâtir une relation de confiance et progresser avec leur tuteur. Ne pas juste lui donner quelques petites tâches comme ça, l'impliquer en fait dans l'entreprise avec ses tâches. Je pense que le fait qu'il ait une mission tout au long de l'année peut permettre un petit peu une fidélisation de l'alternant. Qu'il y ait une formation et qu'après on soit quand même autonome. Plus d'infos CNAM-auvergne-rhône-alpes.fr.